Chers élèves, bonjour, bienvenue à toutes, bienvenue à tous sur cette nouvelle capsule audio. Eh bien aujourd'hui, nous y voyons un petit peu plus clair qu'hier, à savoir que le bac ne se déroulera pas sous les formes attendues. Pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'il en sera pour les oraux de français. A priori, ils sont prévus. Voilà. Dans les faits, je demande à voir. Et le temps nous permettra d'y voir plus clair. A priori. Pour ce qui est des épreuves de spécialité abandonnées, eh bien en l'état, les épreuves de spécialité abandonnées ne feront pas l'objet d'une évaluation de type bac. Et en fait, c'est la moyenne des premiers et deuxièmes trimestres, ainsi qu'on ne sait pas trop pour l'instant, l'assiduité dont vous faites part en ce moment dans le travail, qui sera de toute façon prise en compte dans le bac au moment où on remplira les fichiers scolaires. Ça c'est certain, mais pour ceux qui abandonnent la spécialité, je ne sais pas dans quelle mesure ça sera pris en compte. On y verra plus clair quand, entre le discours et les circulaires écrites, nous aurons des informations à vous communiquer. Voilà, en guise de pré-introduction. Aujourd'hui, on attaque une capsule que vous attendiez peut-être à recevoir déjà vendredi. Sauf que j'ai voulu approfondir les choses, bien les maîtriser au maximum entre guillemets pour pouvoir les transmettre avec le plus d'efficacité possible. Ce qui fait qu'au final j'ai préparé quelque chose qui est peut-être un petit peu plus long que d'habitude, mais qui, je l'espère, vous permettra de bien comprendre le maximum de ressorts possibles. On a fini avec l'axe 1, on attaque donc l'axe 2 déjà de ce thème. Et bien c'est parti. L'intitulé de l'axe 2, liberté ou contrôle de l'information, un débat fondamental. Bon, je sais pas si vous entendez mon voisin qui est en train de tondre sa pelouse à côté. Voilà, ça c'est pour la petite touche dans la petite touche. Peut-être que pas, ou peut-être que oui, enfin on s'en fiche, hein, n'est-ce pas? Mais on n'aura jamais autant tendu la pelouse pour ceux qui ont des pelouses en ce moment. Le jalon 1. L'information dépendante de l'opinion, point d'interrogation, l'affaire Dreyfus et la presse. Alors, comme à chaque fois, vous avez le cahier de texte pour suivre le cours qui vous est disponible, et je rappelle à ceux qui ne sont pas de la classe mais qui sont bien entendu les bienvenus ici, que nous travaillons avec le manuel d'histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques paru aux éditions Belin. Bon alors, l'introduction. On travaille ici sur l'information dépendante de l'opinion. Et c'est notre problématique finalement, hein, l'information dépendante de l'opinion, oui ou non, d'une certaine façon. Bien qu'on va voir que la réponse peut pas être aussi binaire que cela. Bon, on a parlé de l'opinion très sommairement dans la définition générale. On va y revenir un petit peu plus en détail. En fait, la notion d'opinion publique, il faut savoir que c'est une notion qui fait l'objet de critiques. Par exemple, la diapositive numéro 1 vous illustre un sociologue très connu en France. Il s'appelle Pierre Bourdieu. Et Pierre Bourdieu, il critique cette notion, cette expression d'opinion publique. On pourrait raccourcir son idée de la façon la plus simple possible en écrivant que pour lui, l'opinion publique n'existe pas. Et quand on se limite à cette petite citation, finalement, on oublie un petit peu le contexte et le propos pour lequel il l'écrit. En fait, il l'a écrit pour la première fois, cette idée, dans un exposé qu'il a fait à côté d'Arras et qui est paru dans les temps modernes.
En janvier 1973, puis ça a été repris, il l'a repris ensuite dans un livre qui s'appelait Questions de sociologie, qui est un livre important pour les sociologues. Bon, alors, en substance, retraçons, je vais vous lire ici un extrait de cet exposé, et vous comprendrez bien que juste la petite citation, elle tronque peut-être un petit peu la réalité. Bref. J'ai bien voulu dire que l'opinion publique n'existe pas, sous la forme en tout cas que lui prêtent ceux qui ont intérêt à affirmer son existence. J'ai dit qu'il y avait d'une part des opinions constituées, mobilisées, des groupes de pression mobilisés autour d'un système d'intérêt explicitement formulé, et d'autre part des dispositions qui par définition ne sont pas opinions, si l'on entend par là, comme je l'ai fait tout au long de cette analyse, quelque chose qui peut se formuler en discours avec une certaine prétention à la cohérence. Cette définition de l'opinion n'est pas mon opinion sur l'opinion. C'est simplement l'explication de la définition que mettent en œuvre les sondages d'opinion, en demandant aux gens de prendre position sur des opinions formulées et en produisant, par simple agrégation statistique d'opinions ainsi produites, cet artefact qu'est l'opinion publique. Je dis simplement que l'opinion publique, dans l'acception implicitement admise par ceux qui font des sondages d'opinion ou ceux qui en utilisent les résultats, je dis simplement que cette opinion-là n'existe pas. Voilà, donc quand il dit que l'opinion publique n'existe pas, Pierre Bourdieu, il se réfère à l'interprétation qu'on se fait des sondages pour dire voilà quelle est l'opinion publique. Hein. Donc il faut prendre quelques réserves. Bon. Du côté des historiens aussi, on a des réserves hein, sur l'opinion publique. On a un historien, René Raymond, c'est la diapositive numéro 2 qui vous permet de voir son visage. Mais René Raymond, lui, il écrivait qu'il n'y a pas à proprement parler une opinion française, et c'est seulement par convention qu'on use du singulier. René Raymond, il veut dire quoi? Il veut dire qu'en fait, l'opinion, ça consiste à lisser toutes les diversités de points de vue qui peuvent exister. C'est un peu comme si on demandait aux élèves du groupe d'histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, ce qu'ils pensaient. Il y a un courant majeur qui se dégage et puis on dirait voilà l'opinion du groupe. Alors qu'en réalité, beaucoup d'entre vous ne se retrouveraient pas dans cette opinion. Voilà pourquoi on ne peut pas en parler au singulier. Et que pour René Raymond, il faudrait s'intéresser à tous les points de vue et pas simplement se limiter à cette simple présentation. Remontons encore plus loin à l'époque des Lumières. Parce que les Lumières, ils parlent déjà un petit peu de l'opinion publique, en opposition à l'opinion commune. C'est-à-dire que les philosophes des Lumières, ils vont mettre en opposition la première notion à la seconde. Et l'opinion publique, pour eux, c'est le résultat d'une réflexion. C'est-à-dire qu'en fait, elle passe par l'exercice de ce qu'on appellera plus tard la raison, et qui doit être, pour eux, conduite au nom de l'intérêt général. C'est-à-dire que c'est bien cette notion d'intérêt général, de la majorité, dans une époque où, justement, c'est un homme qui décide pour tout le monde, eux, leur idée, c'est que c'est la majorité des points de vue qui doit porter, enfin, du moins pour une partie importante des Lumières, qui va changer les choses. Bon, et alors pour nous, hein, parce qu'il faut la finir, cette introduction, ici, pour nous. Pour nous, c'est une expression, alors on peut le noter en rouge, finalement, c'est quoi pour nous l'opinion publique hein? Pour nous, l'opinion publique, c'est une expression qui désigne l'ensemble des convictions, des jugements et des valeurs d'une société à une époque donnée. Voilà, bon, c'est un petit peu simplificateur, on l'a vu, mais il faut bien travailler avec un objet, du moins on nous demande de travailler sur l'information dépendante de l'opinion, on peut difficilement se dispenser de parler de l'opinion. Eh bien, on verra évidemment que cette opinion, il est pluriel et il n'est pas unique. On relie tout ça à la presse, hein. C'est l'affaire Dreyfus et la presse, c'est-à-dire que nous on va étudier tout cela au travers de l'affaire Dreyfus, et évidemment on va, c'est peut-être un travers, c'est peut-être un écueil de ma présentation ici, mais on va beaucoup parler de l'affaire Dreyfus, pourquoi? Parce qu'elle a été très médiatisée cette année par un film qui a fait polémique,
Enfin, c'est surtout son réalisateur qui a fait polémique plus que le film en lui-même. Et parce que c'est un événement important de l'histoire française, donc. Et comme là, on est en période de confinement, bah, je vais m'écarter peut-être un petit peu des sentiers balisés et attendus par l'éducation nationale pour aller un petit peu plus profondément dans les choses et pas seulement parler de l'opinion et de la presse, mais aussi parler de l'affaire Dreyfus en elle-même. Donc, les médias, ils informent les citoyens. Les médias, ils favorisent le débat. Et les médias, ils contribuent à former l'opinion publique. Ça, c'est ce qu'on a déjà vu au travers de notre analyse conduite dans l'axe 1. Et donc là, on va s'intéresser à tout cela au travers d'une affaire en particulier, qui est l'affaire Dreyfus. On fait un découpage chronologique, même si évidemment, on va s'intéresser, on va faire de l'histoire, on va faire de la sociologie, on va faire de la science politique, pas vraiment de géopolitique, mais on quittera l'échelle de la France pour voir l'écho qu'elle a pu avoir à l'extérieur à un moment, mais bon, on va pour le séquençage de l'approche faire un découpage historique. Et donc on attaque le petit 1. Une affaire d'espionnage. Une affaire d'espionnage 1894-1895. Ça, c'est notre premier point. Enfin, c'est le petit 1 et le premier point, pardon. Un contexte particulier. Contexte particulier. On est dans la Belle Époque. Et la Belle Époque, c'est l'âge d'or de la presse. On a déjà parlé de l'âge d'or de la presse. Hein. Je vais pas revenir dessus. On peut l'illustrer au travers d'un livre qui est de Maupassant, qui est très connu, Bel Ami. Hein. Une diapositive de ce livre dans votre cahier de texte. Eh bien, Bel Ami, c'est l'histoire de quelqu'un qui va travailler pour la presse. Bon, en réalité, il va pas beaucoup travailler. Il va être plutôt oisif et profiter d'une tierce personne, une femme qui peut pas écrire directement parce que justement c'est une femme et qui va utiliser son nom à lui comme prête-nom. Lui, il est plutôt oisif. C'est un livre de Maupassant qui permet de se plonger dans la Belle Époque et de cette époque de l'âge d'or de la presse. Hein. Je vous invite à le lire en période de confinement quand on sait pas quoi lire. Bah, voilà une idée. Vous l'avez même peut-être déjà en stock puisque vous l'aviez lu au collège ou on vous avait demandé de le lire et vous aviez squeezer la lecture pour aller directement dans le résumé sur Internet. Oui, je sais, il y en a qui font cela. C'est pas bien du tout. À mon époque, il n'y avait pas Internet. Il fallait lire le bouquin en entier. C'est pas pour ça qu'on retenait tout, mais on avait fait l'effort de le lire et on peut le redécouvrir plus tard. L'âge d'or de la presse. Eh bien, oui. Un petit rappel, ça, il n'y a pas besoin de le renoter, mais la France est en train de devenir le premier pays de lecteurs. Âge d'or de la presse, il y a une économie derrière. Pour les patrons de presse, c'est un moyen de gagner de l'argent. Et on l'a vu. Un des moyens de gagner de l'argent, c'est d'attirer vers soi le lecteur. Et qu'est-ce qu'aiment bien les lecteurs? Ben, on s'est vite rendu compte que les lecteurs, ils aimaient bien ils étaient friands des faits divers. Donc, ben, la presse, pendant un long moment, elle se livre encore à la narration de faits divers. On est dans une Troisième République qui est jeune. Elle est encore jeune. La Troisième République, elle est née dans le contexte de la défaite de Sedan. Napoléon III est défait en 1870 à Sedan, contre l'Allemagne. Et la fin du Second Empire va donner naissance à la Troisième République dans un contexte politique qui est fortement compliqué. Il y a une guerre civile, la Commune, qui va marquer le début de cette République. Et politiquement, cette jeune République, elle ne va être stabilisée que dans la fin de la seconde moitié des années 60. Et au milieu des années 80, il y a une autre contestation hein, contre la République qui va apparaître au travers
du boulangisme. Donc là, on est dans des éléments de contexte que vous voyez en classe entière, donc je ne vais pas m'apesantir dessus. S'ajoute un contexte. Alors, l'âge d'or de la presse, on peut l'illustrer aussi avec le document, enfin la diapositive numéro 4, hein, c'est la devanture du petit journal qui vous montre ici le succès que connaît cette enseigne de presse qui vend énormément de titres. Autre diapositive qui nous intéresse ici, c'est la diapositive numéro 5. Elle illustre le revanchisme, en fait. La défaite contre l'Allemagne, elle n'a pas été avalée. Et surtout, l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine. Et il y a une idée de revanche contre l'Allemagne qui est alimentée par la presse, par une partie importante de la population. Hein, elle est instrumentalisée, cette idée de revanche, comme ciment patriotique. Et ça, bah, ça a un effet délétère sur les relations entre les deux ambassades, entre l'ambassade d'Allemagne et l'ambassade de France. Et il y a des fantasmes de complot qui sont relayés par la presse. C'est-à-dire qu'il y a une ambiance délétère où on a tout le temps l'impression que le voisin va nous attaquer ou nous donner un coup de couteau dans le dos. Deuxième point, les germes de l'affaire Dreyfus. On avait le contexte. Dreyfus, il est né en 1859. Il est issu d'une famille alsacienne, d'industriels. Et cette famille, bah, elle va quitter la France. Enfin, elle va quitter la France, pardon, je m'emmêle les pinceaux. Elle va quitter l'Alsace pour la France en 1872. Pourquoi ? Bah, parce qu'avec la défaite de Sedan et l'annexion de l'Alsace, de la Lorraine, une partie de la Moselle, l'Alsace est annexée par l'Allemagne en 1871. Et cette famille alsacienne, il y a une certaine démarche patriotique dans le fait de quitter l'Alsace. On veut rester en France. Du moins, on peut l'interpréter comme cela. Dreyfus, il va devenir militaire. Hein, la diapositive numéro 6 vous le présente ici comme en tenue de militaire. C'est un élève de polytechnicien et qui devient d'abord stagiaire pour l'armée en 1893. Hein, il est capitaine stagiaire. Et en tant que capitaine stagiaire, bah, il est conduit à aller d'un service à l'autre. En septembre 1894, les services du contre-espionnage, parce que les services du contre-espionnage, je vous l'ai dit, on est dans une ambiance de suspicion avec l'Allemagne, et bien les services de contre-espionnage, ils vont découvrir des plans militaires français, des plans militaires secrets, et puis d'autres documents qui sont secrets, et donc le constat du service du contre-espionnage, bah, c'est qu'il y a un espion qui travaille dans l'armée française et qui donne des documents à l'ennemi. Et très rapidement, les soupçons vont se tourner vers les stagiaires. Pourquoi ? Bah parce que justement, les stagiaires passent d'un service à l'autre. Or, Dreyfus est un de ces stagiaires. Et Dreyfus, c'est un suspect de choix. C'est un suspect de choix d'abord parce qu'il est alsacien. Et comme il est alsacien, eh bien il parle allemand. Ensuite, Dreyfus, il est juif. Et comme il est juif, il est aussi fortement susceptible d'être un coupable. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grande partie de l'état-major militaire, comme de l'opinion, qui est antisémite. Pour eux, les juifs ne sont pas des Français de France. Et comme ils ne sont pas des Français de France, ils peuvent trahir plus facilement, puisque ce n'est pas vraiment leur patrie. Pour bien comprendre, il faut traverser la Méditerranée, en fait. Donc là, ce que je suis en train de vous raconter, vous ne notez pas dans vos cahiers, sinon ça va faire beaucoup, beaucoup de choses à noter. Mais l'Algérie a été colonisée.
Et en Algérie, bah, il y a plus d'Algériens, entre guillemets, qui ne sont pas reconnus comme tels, qu'on va appeler à l'époque les musulmans, dans la dénomination française, que de Français. Et puis l'idée, bah, l'idée, c'est qu'il y ait de plus en plus de personnes dans cette colonie qui supplée le nombre de musulmans. Et on va faire venir des gens d'Italie, d'Espagne. Et puis on a des juifs qui sont présents aussi sur ce territoire. Et donc, pour essayer de faire en sorte qu'il y ait plus de Français que de musulmans en Algérie, est décrétée une loi de naturalisation en octobre 1870. C'est le décret Crémieux, et en fait, ce décret, il va franchiser les juifs d'Algérie. Bon, et certains n'acceptent pas, en fait, ce décret qui permet à une partie des populations juives de devenir français. Je parle pas ici de ceux qui étaient déjà juifs avant, mais finalement des juifs des colonies. Bon, c'est... Si je rentrais dans le détail ici encore, j'en aurais pour 10 minutes, donc je vais m'arrêter juste là. Pour passer au troisième point. Une campagne de presse à charge. Une campagne de presse à charge. Une autre diapositive nous intéresse. C'est la diapositive numéro 8. Cette diapositive, elle illustre un journal libre parole. On l'a dit, Dreyfus, il est un suspect de choix. Et en tant que suspect de choix, bah, il va être arrêté et détenu en secret à la prison militaire. Alors pourquoi ? J'y reviendrai parce que son écriture ressemble à celle de l'espion. Voilà. On a décidé que c'était la même écriture. Enfin, vous verrez plus tard pourquoi je peux dire on a décidé, mais on trouve que son écriture ressemble à celle de l'espion, et donc, bah, il est l'espion. Et l'information, elle va passer par le canal de la libre parole comme information connue par tous. C'est-à-dire que le journal va relayer l'affaire. Et on est dans un journal ici qui est antisémite. Hein. Le titre est explicite ici. Hein, c'est le Dreyfus, juif, traître. Les mots sont associés, tout semble logique. Ça se suffit comme simple argumentaire dans la présentation des choses. Le ministre de la guerre lui-même va diffuser l'information et proclamer la culpabilité de Dreyfus avant même qu'ait eu lieu le procès. C'est-à-dire qu'en fait la culpabilité elle est déjà annoncée d'emblée par l'état-major, par le ministre de la guerre, alors qu'il n'y a toujours pas eu de procès. Le procès, c'est un procès militaire. C'est un conseil de guerre, et ce conseil de guerre, il est organisé en décembre 1894. Quand on ouvre nos livres à la page 240 et qu'on regarde le document 1, on se rend compte que la presse, elle est alors très majoritairement anti-Dreyfusard. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y a pas de voix pour relayer le point de vue de Dreyfus. C'est la presse, elle est anti-Dreyfus. Les nationalistes et les antisémites, en fait, ils sont confortés dans leur idée, bah, par le simple fait que le conseil de guerre, il va annoncer la culpabilité d'Alfred Dreyfus. Je vous invite à vous plonger dans la lecture du document de l'affiche qui est jointe. Il a été publié dans La Croix le 10 mai 1884, donc avant l'affaire Dreyfus, par le révérend Père Picard. Il écrivait quoi le révérend Père Picard ? Je vous lis le document que vous avez sous les yeux, vous lisez en même temps que moi. Adroit, intelligent, le juif s'insinue partout et partout il fomente la haine du Christ. Il possède tout l'or du monde et à l'aide de cet or, par la franc-maçonnerie dont il est l'âme, par la presse qu'il paye, il a bouleversé les sociétés chrétiennes et poursuit avec acharnement l'Église et le pape.
Ce juif, il est l'ennemi. On est dans un contexte d'une France qui est antisémite et qui va voir dans l'affaire Dreyfus une confirmation finalement de son antisémitisme. On a donc la Croix, média catholique, on a un autre média catholique qui est Pèlerin, un pèlerin comme le pèlerin, qui va relayer cette idée. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, les anti-républicains monarchistes et catholiques, ils raniment, ils entretiennent depuis un moment déjà un mythe qui est propre à l'époque révolutionnaire. C'est-à-dire qu'en fait, le mythe, c'est celui des juifs et des francs-maçons qui auraient orchestré la fin de la monarchie et le recul du catholicisme. Donc, dans cette animosité qu'on a envers les juifs, enfin envers les francs-maçons, il y a cette idée d'un complot qu'ils conduiraient depuis des années. Bon, quand on est sérieux, on se rend compte que la presse, au début de l'affaire, elle est majoritairement contre Dreyfus. Elle a déjà fait le procès avant l'heure, et donc il n'y a pas de contrôle de la presse par les juifs, hein, s'il était besoin de le démontrer. Donc les anti-républicains, ils vont se joindre, ils vont joindre du moins une partie de leur animosité à l'égard de la République aux critiques des nationalistes et des antisémites. Au point où finalement cet antisémitisme latent, il finit par devenir une menace pour la République. On y reviendra. Alors qu'est-ce qui arrive ensuite à Alfred Dreyfus? La diapositive numéro 10 illustre son sort. Cette diapositive numéro 10, c'est la dégradation que subit Alfred Dreyfus, qui est dessiné ici par le petit journal. En fait, on a une presse qui accable Dreyfus. Le titre du petit journal, c'est le traître, c'est pas la destitution de Dreyfus. Le verdict a été rendu, le traître. Il est représenté ici comme dégradé dans la cour militaire de l'école, avant d'être envoyé ensuite au bagne de Caen. Alors, là, à l'époque, on n'a pas la vidéo, on a juste une image, hein. C'est le supplément illustré du petit journal. Le petit journal, c'est pas que des images, mais il y a eu ces suppléments illustrés, ils illustrent, et on s'en sert en fait comme illustration du passé pour quand on l'étudie. Alors la foule a écrit, elle. C'est-à-dire quand, si vous regardez la diapositive numéro 11, sur cette diapositive, vous vous rendez compte que il n'y a pas que dans la cour de l'école que ça se passe, mais il y a dans ce numéro du Monde Illustré, on voit qu'il y a plein de gens qui sont à l'extérieur de la cour, qui se sont amassés pour voir l'événement, et ce public, il crie. Hein, la foule, elle crie. Elle crie quoi? Elle crie « À bas le traître, à bas le juif, mort aux juifs !» Alors, mort aux juifs au singulier comme au pluriel, c'est à l'oral, donc on n'a pas la subtilité du sens de la personne qui le prononce, mais ça porte dans les deux sens. On est dans un processus de haine collective qui s'exprime et qui a été en grande partie entretenu par la presse, qui a entraîné une passion publique pour l'affaire Dreyfus. Pourquoi? Ça fait vendre, hein. On est dans un fait divers, une affaire d'espionnage avec l'Allemagne qui est dedans, donc évidemment l'opinion publique, une grande partie des gens vont se retrouver dans ce qui est écrit. Et la presse a joué un rôle en soufflant d'une certaine façon sur les brèves. Au final, on pourrait dire que l'opinion publique la majorité des gens sont globalement satisfaits et vont peu se soucier alors des manquements aux règles du droit qui se sont déroulés et sur lesquels on va revenir ultérieurement, parce qu'évidemment, il y en a eu, et pas qu'une. Petite parenthèse, le petit journal, au début, il fait une enquête à charge. D'ailleurs, il ne fait pas une enquête, mais il est à charge par rapport à Alfred Dreyfus. Et puis plus tard, il changera son fusil d'épaule
et sera de moins en moins anti-Dreyfusard. Voilà, ça c'était le petit 1.